L'atmosphère a changé. Rien n'est comme quand on avait commencé. L'atmosphère a changé parce que il y a l'homme atmosphère qui vient de faire son entrée au milieu de nous. Et quand il vient tout bouleverser. Nous voici au chapitre 42. Ce qui m'étonne dans ce chapitre, c'est la dimension des enseignements. Ce n'est pas la première fois que cet homme parle des autels. Mais dans ce chapitre 42, il nous a menés dans une dimension exceptionnelle. Je dis bien exceptionnelle. Et ce qui est extraordinaire dans tout ça, quand l'homme parle, il parle au cœur. Il va fouiller même dans des choses cachées de nos familles. Ce qu'on ne pouvait jamais soupçonner. Mais quand il parle, il vient déterrer toutes ces choses. Et cette dimension m'étonne depuis les premiers jours. Et voilà pourquoi nous avons des témoignages, de ravages que fait cette onction dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos vies, dans nos rêves. Il y a tellement de témoignages. Et ce soir, il est encore là pour inaugurer la troisième semaine. Et il va encore parler à notre sang et rien ne restera le même. Je dis bien rien ne restera le même. Je dis encore, rien ne restera le même. Tu ne resteras jamais la même personne. Parce que l'homme est encore là pour nous amener dans une autre dimension. Il est encore là pour nous amener à livrer des batailles qu'on n'avait jamais livrées, qu'on n'avait jamais soupçonné l'existence. C'est ça la grâce du chapitre 42. Et dans cette bataille, nous sommes dans une onction et nous sommes vainqueurs. Est-ce que vous êtes prêts pour le recevoir? Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir cet homme? Et quand tu
lui descends, quand tu lui montes, il descend toujours avec quelque chose de nouveau. Voici l'homme du chapitre 42, cet homme qui détermine les choses cachées, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Alléluia. Et je vous présente l'homme qui est sorti de la tombe le troisième jour, qui a brisé les chaînes, qui a fait trembler l'enfer. Il est sorti vivant, car la tombe ne pouvait jamais le retenir. Tellement qu'il est puissant, fort. Jésus de Nazareth. Les disciples étaient tristes. Plus de miracles. Les gens leur montrent le doigt. Vous nous rabâchez les oreilles ici. Oh Capernaum, oh Galilée. Opérez encore des miracles, on va voir. Ils étaient tristes. Mais le troisième jour, ils étaient capables de regarder les adversaires en face. Il leur dit, ça continue. Les miracles continuent. Les délivrances continuent. Les guérisons continuent. Amen. 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 Dis à ton frère, nanoesilite. Et aussi la parole à terre. Fungoli page ya sika. Ba délivrance. Likolo ba délivrance. Ba miracle. O ba kisi mususu. Nanu esilite. O no puissade. J'aime voir le Jésus qui opère des miracles. J'aime voir Jésus-Christ qui dénoue les liens, qui brise les chaînes, qui va prendre ton esprit au village. Il est sort de la prison, qui rend libre les opprimés, qui détruit les hôtels, qui récupère ton nombril. Là où on l'avait enterré au village, derrière la maison, pour te rendre libre. Amen. Pour te rendre libre. Amen. Pour te rendre libre. Amen. Libre. Libre. Amen. 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 Libre. 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 Tu as beaucoup souffert, humilié, portant un poids lourd de génération de génération, sans que tu n'aies fait quoi que ce soit. Mais victime, victime de liens héréditaires, jusqu'à ce que Jésus vienne. Assieds-toi. Rikamana sanga badi koroshida. Kikamana korosongo bodi babarashi. Kura kamba barasaka badiko. Kukara sanga badiko. Kinda kon. Peut-être tu es de
la 20e génération. Allez. Dans la ligne. Na bokita na bino. En 2021. Na 2021. 2022. Tu te retrouves dans une série noire. Omikoti na makamuka mabe mabe ya mabe. Les choses arrêtées d'avance. Makamosi balenge la kabanda. Non, tu n'étais même pas là. Yo zalaka no kutu pété. Alors que le diable croyait que ton sort était scellé, on lui a livré toute ta destinée. Et il s'est moqué de toi. Jusqu'à ce que le peuple qui était dans les ténèbres vit apparaître la lumière. La délivrance n'est pas un slogan. Parce que celui qui te lit ne voudra jamais que tu t'en sortes. L'envoûtement est une très mauvaise chose. Ils ont tellement souffert qu'ils continuent à croire que c'était la volonté de Dieu. Il y a certaines souffrances qui peuvent se transformer. Et tu as la nette conviction que je crois que c'est Dieu qui veut que je sois comme ça. Tu comprends ce que je dis? Amen. Tu commences à accepter ton sort, tes souffrances. Donc l'inacceptable devient une réalité ordinaire. Ah, je crois que peut-être que Dieu veut que non, s'il te plaît, moi à un certain moment, ces démons-là me soufflent comme ça aux oreilles. Accepte. Est-ce que tu crois vraiment que tout le monde est venu au monde malgré tous les témoignages que tu entends là? J'attendais mes frères, je les écoutais les dimanches témoigner à l'église. Il a fini les études. Assis Kelas. Pan. Embauché. Basuye Moussala. J'ai jamais oublié à UZB à l'époque. Na UZB, Union Zaïroise des Banques. Qui chantait avec moi dans la chorale. Une vie épanouie. Et puis du coup, Malamoko, tout commençait. Des gringolades brusques. Enchaîne. À l'heure où je parle, il n'est même plus de ce monde. Et quelque chose me disait non. Et le mot accepte ça. Comme tu es là, Nengozawana. Plus d'issue. Il n'y a plus de voie de sortie. Ce que tu vis là, c'est Dieu qui veut que tu sois. Et quand les pasteurs venaient nous prêcher sur 40 ans dans le désert, comment tu peux souffrir dans le désert, ça caressait mon cœur. J'aimais de telles choses qui me consolaient dans mes souffrances. Quand ils enseignaient sur les souffrances de Job, je dis voilà au moins quelqu'un qui me comprend. Il comprend vraiment que je lui là je peux même me lever dans la salle et amen. C'est le seul moment où je pouvais jubiler quand le prédicateur, s'il vous plaît, j'ai interprété mon maman pasteur. Non, alors que j'oubliais que Job, c'était l'homme le plus riche de l'Orient. Donc de Yémen en Turquie. À l'époque, tout cet espace. Lis, lis le verset 1, tu vas voir. Job 1. L'homme le plus influent de toute cette contrée-là. Quand Dieu décide de t'élever, hein, et ça n'aura pas un pambaté. Yes. Il faut que le chapitre 42 te lève en hégémonie. Amen.
Amen. Que cela commence dans ton petit cercle et monte en puissance. J'entends quelqu'un lever la main droite et crier, l'heure est arrivée où je dois monter en puissance. Amen. Il y avait dans le pays des Houts un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. 2. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme, écoutez, était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Et ça, tu crois que Dieu peut te bénir pour que tu restes la même personne au même niveau que tu étais avant? Ça, c'est quoi comme Dieu? Non, mes amis, non. Refuse-moi ça. C'est moi qui t'ai dit de le refuser. Avant que tu n'aies rencontré Dieu, c'est compréhensible. Mais quand quelque chose du ciel vient à ta suite un jour, ça sera plus anormal. Amen. Tu n'auras plus d'arguments pour justifier ce niveau-là. De tous les fils de l'Orient. Donc, du Yémen, tu traverses l'Arabie Saoudite, l'Irak et l'Iran, la Jordanie, jusqu'en Turquie. Tous ces contrées-là, c'est l'homme le plus influent, l'homme le plus riche. Et c'est ce qui a étonné le diable. Il vient, il essaie de le séduire. Blindé. Blindé. Il veut toucher à son argent, à son or. Beto. Alléluia. Oh. Il a vu. Amoni. Qu'est-ce qui protège cette monsieur? Non, c'est Dieu. Dès qu'il se présente à Dieu, Dieu n'a pas cité n'importe qui. Que Dieu t'élève pour que ton nom soit dans sa bouche comme un instrument de marketing. Que Dieu te bénisse pour que ton nom devienne comme un pain dans sa sainte bouche qui commence à te vendre. Il te vend. Ah, tu vis Job. Si Job n'était pas Job, tu crois que Dieu allait le citer? Même Satan n'allait pas parler de lui. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Que mon Dieu te libère. Amen. Que les chaînes tombent. Amen. Que Dieu te mène dans une dimension. Amen. Ne t'aveugle pas à cause de tes miettes que tu vois maintenant. Quand Dieu commence à faire des choses, ça doit étonner les gens. Ça doit t'effrayer toi-même. Tu seras le premier témoin à ressentir en toi. Maintenant, c'est le basculement. Amen. Mettez l'encolo maboko. Yes. On y va. Juge 6. Toke na mokana basambisi mokapa motoba. Suis-moi très attentive. La nanga na bokebi penza. Juge 1. Pardon, juge 6. Mokana basambisi mokapa motoba. Verset 20. Nzela tukumi bale.
Nous allons s'arrêter au verset 24. Toti kanzela tukumbale na mine. L'ange de Dieu lui dit. Je voudrais qu'on commence un peu tout au début. Commençons tout au début. Verset 11. De la somme moko. Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le térébint d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait les froments au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Autrement dit, il voulait lui dire, « Je suis avec toi. » Parce que cet ange-là de l'Éternel, c'était l'Éternel lui-même. Dans l'ancienne alliance, l'Éternel s'est manifesté sous plusieurs formes. L'ange peut avoir une forme ordinaire d'un être humain. Ça peut être parfois quelqu'un que tu connais, mais tu seras étonné des paroles qui sortent de sa bouche pour toi ce jour-là. Ce sont des paroles qui ont un poids, une conviction, une puissance incomparable des paroles que tu l'entendais dire avant. Il tout dépend de ton entendement et de la sensibilité spirituelle qui sera la tienne à cette occasion-là. Des fois, ça peut être un être angélique qui vient avec un certain degré de présence spirituelle. Tu ressens que tu n'es pas devant un être ordinaire. Tu ressens ça dans ton cœur. Enfin, tu peux avoir même de la chair de peau. Et de foi, il peut se manifester un être angélique dans sa forme angélique. Tu peux voir dans une tenue exceptionnelle avec les ailes, avec la gloire. Les hommes et les femmes de la Bible étaient témoins des manifestations comme ça. De nos jours encore, les étoiles surtout ont été victimes et sont victimes de telles apparitions. Mais parce que tu vas remarquer jusque là, pendant qu'il parle avec Gédéon, Gédéon n'a pas de panique. Ils échangent comme s'il était devant un autre être. Jusqu'à ce que l'ange a pris sa dimension surnaturelle. Et là, pendant qu'il parle, Gédéon ne tremble pas. Même quand il lui dit, je suis avec toi, l'Éternel est avec toi. Et il rétorque. Il conteste, il doute. Continuons. Gédéon, verset 13. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? C'est dit d'un chrétien né de nouveau, fils de la promesse, qui se pose des questions. Si je suis né de nouveau, si je suis fils de la promesse, si je suis de la race à laquelle appartient les promesses, pourquoi une telle succession de choses? Pourquoi tout ceci m'arrive? Donc, Gédéon, c'est pleinement toi. Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir, monter hors
d'Égypte. Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se retourna vers lui et dit, va avec la force que tu as. Amen. Et délivre Israël de la main des Madians. Amen. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille, souligne, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Manassé d'abord. Manassé. L'histoire de Manassé. N'oublie pas que Manassé était l'un des deux fils de Joseph que Jacob a coopté en quelque sorte. Donc, n'oublie pas aussi que Manassé a été déporté, déplumé de son droit de naissance. Qui le savent? Il était l'aîné. Yena zaki mwana yambo. Mais la bénédiction kasili pamboli dévolue aux aînés. O esengeli bona bana yambo. Lui a été dépouillé balongola au profit de son jeune frère qui Ephraïm. Après ça on va dans l'équipe Ephraïm. Déjà, Koutou. Il avait un souci à comment le quoi mokolo yazoba. Les grands frères, les soi-disant aînés de famille là, qui ne sont pas intelligents, les grands fainéants qui ne foutent rien, leur problème c'est de pleurnicher ou de courir derrière leurs jeunes frères. Ça c'est Manassé. C'est pour cela que tous les aînés de l'histoire de la Bible ont des soucis jusqu'à l'heure où je parle. Si c'est un garçon, ma yelle était en classe, zoba zoba, tu le verras en train de courir chez ses frères, ses soeurs, au babala, en train d'aller demander, quémander, soit c'est un soulard, ou son problème d'aller engrosser les femmes, les amener à la venue, et vous allez vous en débrouiller. Manassé. Troisième histoire de Manassé. Dieu a donné à Manassé une portion de terre. Dans la terre promise, ils ont trouvé les ennemis d'Israël sur cette terre-là. Alors que Dieu a dit, vous chasserez ce peuple. Et ils n'ont rien fait pour chasser ce peuple. Et ça s'est retourné contre eux. Les Madians, les Amoréens, Amalek sont les trois principaux peuples qu'ils ont retrouvé dans la partie de la terre qui leur a été donnée. Comme ils étaient dépouillés du droit de naissance, c'est l'une des tribus qui, pour évoluer, devait s'accrocher à l'autre tribu, soit à Benjamin, soit à Dan. C'est pour cela que tu verras dans les livres de juges, la plupart des juges que Dieu a ouais sortaient soit de Manassé ou de Danit, parce que c'était des tribus voisines. La quatrième chose, Manassé est l'équivalent de la plupart d'entre nous ici. Papa Munyanga, maman Mulouba. Donc 50-50. Qui oublie que la maman de Manassé était égyptienne? Maman de Manassé est moi en Égypte. Qui le savent? Comment elle s'appelait? Comment les Aguinani? Joseph a épousé la fille de Potiphéra. Joseph a balaki moi na papa Potiphéra qui travaillait chez Pharaon. Potiphéra wana tata wana zako sale pa falo. Donc
Sa femme était égyptienne. Moi, na papa na zaki mo égypto. Donc Manassé, c'est le genre du mariage, de mélange, de mixage de tribus, comme toi, qui a son père d'une tribu et maman d'une autre. Nani, tata na mneza kol musu, mama pe kol musu. Les autres, vous croyez que vous n'avez pas de problème. Attends, je vais vous révéler quelque chose. Même si vous croyez que vous êtes le Nyanga, ou Sakata, ou Rega, ou Luba, ou Lubakat, mais quand vous suivez bien, vous ne vous êtes pas marié dans la même ethnie, dans le même clan. Qui me comprend bien? Tu verras que vous êtes tous soi-disant Luba, mais tel est Moussalampasu, l'autre Moukwa, si c'est quoi. Or, ensemble, quand vous vous retrouvez ensemble, il y a des lignées, il y a des liens que chacun amène de sa famille. Et c'est toi le produit. Toi comme tu es là, tu es le produit des deux spiritualités. Donc on a mis les spiritualités ensemble. Quand papa et maman se marient, on tient compte de ces gens-là. On vous dirait, vous êtes les Bayans d'où? Vous êtes deux. Mais tout le monde dira non, Madame Congo. Ça veut rien dire. Et ce mixage égyptien, juif, a créé Manassé. Résultat, deuxième chose. Dépouillé du droit d'aînesse, on a récupéré les promesses, on a donné au cadet. Donc il était prédisposé à ne pas réussir dans la vie. Ça c'est ton histoire, c'est la mienne. Aucune prédisposition ne montrait que tu dois réussir jusqu'à ce que Christ vienne. Amen, amen, amen. Je complète avant le service. Ézéchiel 16. Toke na mokana na Ézéchiel mokapazomi na motoba. Rapide bon. Zwango na lombango. Mes amis, cette histoire des hôtels, je n'insisterai jamais assez depuis que nous avons commencé. Ce n'est pas à prendre à la légère. Ce n'est pas à tomber dans la bassesse spirituelle. Et moi, je suis déjà là. J'ai une spiritualité élevée. Qui te dit que tu as une spiritualité élevée? Les gens qui ont une bonne spiritualité fonctionnent comme toi. Tu ne vois pas que tu ne fonctionnes pas bien. Mokana na Ezekiel mokabazomi na motoba na nzela ya misato. Oh Seigneur. Commence au verset 2. Toba na nzela mibale. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Autrement dit, fais-lui comprendre Talisaye la cause de ses souffrances. Et si kaba pasine uta. 3. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Kouba. Ton père était Moukété. Ta mère était Moukouba. Tu as compris? Amen. Maintenant, tu remplaces par les origines de ton père et de ta mère. Je reprends. Tu peux lire avec moi? Amen.
dis, mon père, donc par mon origine et ma naissance, et si kana uta pe na botamela, je suis de Nazali Motoya, province Songolo. À l'époque, Kala, histoire ancienne, Nisola Kala, les villages, Bamboka, les villes, Bingo, les rivières, Bamai, les cours d'eau, Bibale, portaient les noms des personnes. Et c'est là qu'il y a combo ya mutu, combo mutu. Je crois jusqu'aujourd'hui encore. Dis qu'il y a le lois à Bongo. Hein? Quand tu arrives, on te dit, ça c'est la rivière. Maïsongolo. Et quand tu demandes pourquoi ça porte le nom, on te dira non, c'est le nom du premier occupant. Ça, c'est le village tel. Pourquoi ça porte ce nom? Non, c'est le premier occupant qui a coupé les arbres, qui a conçu sa première case, et puis il a commencé à avoir des enfants. Ils se sont multipliés. C'est devenu grand, une grande agglomération, et puis les gens ont commencé à émigrer, à se déplacer. Un fils de tel, un émigrant, il a consulté le village là qui porte son nom. Tu as compris maintenant? Amen. Alors, le problème, c'est la naissance et les origines. Donc, la racine et le source. Tous ensemble, nous sommes des peuples qui ne connaissions pas Dieu. La preuve que même quand tu t'es converti, tout dépend du Dieu qu'on t'a enseigné. Si on t'enseigne Dieu très mal, tu auras la foi à un Dieu hybride. Tu me comprends très bien. Amen. Si on t'a enseigné les choses très mal, c'est cette foi-là qu'on a construit en toi, en ce Dieu-là. Et c'est pourquoi Dieu parle de mon peuple. Péri faute de connaissance. C'est pas le peuple d'ailleurs, c'est son peuple. Tu es né de nouveau. Mais le tout dépend de quel Dieu on t'a enseigné. Je vois souvent après les enseignements ici, je vois vos réactions, certains qui peuvent m'envoyer des messages, les messages qu'ils peuvent m'envoyer. Ah, papa, hey, papa, c'est maintenant que je comprends les choses de cette manière ici. Et je suis convaincu que la plupart de mes bien-aimés dans d'autres églises n'ont jamais entendu ça. Mais regarde leur manière de développer la foi en Dieu. Tu as raison. Les tout dépend de quel Dieu tu as rencontré dès le premier jour où tu es venu à l'église. C'est ce départ là qui peut encore compliquer ta délivrance à jamais. Mais si tu es un élu, que Dieu t'a connu comme moi, il m'a envoyé dans une bonne adresse. Je crois que tu es sur une bonne adresse. Amen. Tu es dans l'avenue qu'il te fallait. Et tu as frappé à la porte que Dieu avait prévu pour toi. Amen. Mais faites attention. Attention. Keba, ça la keba benza. Par tes origines et ta naissance, ton père, tatanayo, il est qui? Écrit dans un papier. Tata dans une colonie, comment? Pourquoi il y a des noms de villages? Pourquoi il y a des territoires? Pourquoi il y a des agglomérations? Pourquoi il y a des secteurs? Au village, parce que ce sont des entités d'abord spirituelles. La personne qui occupe cette parcelle, comme je t'avais dit la fois passée, chacun de nous a un espace que Dieu lui a donné à gérer une fois venu au monde. Et dans leur spiritualité,
vérité était conscient avant, c'est la plus que toi. Toi, tu navigues à vie. Ça veut rien dire. La délivrance consiste à ce qu'on te retourne dans ta portion. Comme Dieu l'a fait avec Israël. Chacune des tribus a sa part de portion et son territoire. Et spirituellement, chacun d'entre nous a sa part et sa portion. Le diable t'a contesté ces choses. Il t'a sorti de ta zone pour l'occuper ou la faire occuper par d'autres personnes. Et que toi, tu es sur terre de santé, sans possession. Et la première des choses que Dieu fait dans, par la délivrance, dès que tu es libéré, et vous verrez, même dans, chez l'olivier naturel Israël, quand Dieu les délivrait, il est retourné d'abord dans leur terre. Et sur le plan spirituel, quand Dieu te délivre, il te retourne dans ta possession. Et maintenant, chacun d'entre nous, selon la spiritualité, tu vas commencer à élargir ta zone d'influence selon. C'est pourquoi il dit, tu vois, Jacob dit à certains enfants, tu vas te déployer à gauche, à l'est, à l'ouest, jusqu'à la frontière du pays 2. C'est-à-dire, c'est sa portion, c'est sa possession. Et la délivrance a pour premier objectif de nous retourner chacun dans sa terre, dans son carré à toi. Et à partir de là, tu commences à conquérir d'autres. Et tu vas au-delà de tes limites, comme Paul le dit dans 2 Corinthiens. Tu dois aller au-delà de tes limites. Aucune délivrance ne peut rétrécir nos limites. Si elle vient de Dieu, elle va nous permettre de sortir au-delà de nos frontières. C'est pour cela que tu verras, chaque fois qu'Israël est combattu, qu'est-ce qu'ils font dans la réaction? Dès qu'ils combattent les nations, ils s'étendent. Ils récupèrent les portions. Et c'est fini. Vous n'arriverez plus ici. Vous nous avez provoqué. Vous n'êtes pas fort. Nous, on arrive jusqu'ici. Désormais, c'est à nous. Quand Dieu te délivre, tu as la force non seulement de récupérer ta portion, mais de prendre les portions des autres. Pour que tu manifestes les décrets célestes sur la terre. Alléluia. Continue. J'avais déjà lu ça. Oh, ma comment c'est na tanga tanga yo. Tu avais lu ça où? Pourtant, mon est là en coin. Ton père était amoréen. Et ta mère était une Éthienne. Tu n'as pas été frotté avec du sel et tu n'as pas été enveloppé du linge. Ce travail-là spirituel n'a pas été fait. Tu es ici à Kinshasa. Le cordon ombilical est encore attaché. Que tu veux donner les exemples des Noirs américains. Ils sont partis comment? Par esclavage. Comme du bétail. Comme ça. Les fatigués mouraient et tombaient. On les laissait en cours de route. Les autres continuaient. C'est dans cet état-là, qu'un peuple s'est retrouvé ailleurs en train de travailler. Dans la position d'esclave.
Regarde, Tala. Ils ont construit les Caraïbes. Ils ont construit les îles perdues. Jamaïque, tout ce que tu veux, Martinique, tout ça. Ils ont construit les États-Unis. Même la Maison Blanche, c'est les Noirs qui l'ont construit. Ils sont morts en homme. Mais arrivé aux États-Unis, regarde la vie des Noirs. Jusqu'à aujourd'hui, il est là. L'hérédité à la peau dure. Hein. S'il vous plaît. Par contre, regarde les Européens. Parce que honnêtement, l'Amérique n'appartient à personne. Amérique est à tout mon côté. Les autochtones même, on les a brimés là-bas. Mais tous ceux qui sont venus faire la fortune aux États-Unis, les Européens et des îles britanniques, regarde. Et la différence avec les Noirs, jusqu'aujourd'hui, ils sont encore dans les pratiques ancestrales. Tu verras un Américain dans les pratiques ancestrales comme en Afrique, ils sont très attachés à ces pratiques-là. Pourquoi? Parce que le nombril spirituel n'a jamais été coupé. Yes. Hey. Arrive seulement à New York là. Quel est la New York? À Broadway. Autant à Broadway. Mais c'est incroyable. On dit matin. Non loin de Manhattan. Manhattan. Tu verras le noir là-bas. Quand tu le regardes, je préfère un noir que j'ai laissé ici à Kishasa. Incroyable. On dit matin. Pauvre. Misère. Passe la passe. Quel est là? Nzala. Citoyen de la seconde zone. Moto assez. Et ça continue dans le sang. Quoi que tu fasses, l'homme-là ne te croira jamais. Même s'il te sourit. Parce qu'ils ont développé quelque chose dans leur tête. Et comme ils nous appellent les nègres, c'est un langage d'insulte. Voyez, même dans nos joueurs ici. Nos joueurs africains, en Afrique, Mana, ce Mané, na Sala, sont des loin meilleurs. N'en appelez pas un ballon d'or. Personne. Na Sala. Ils vont ramasser des blancs là-bas qui n'ont rien. À ça, ils échouent même. Ils échouent même. Le décor, ballon d'or. Ballon d'or, les Noirs, même ici, ils marquent 100 buts au cours d'un match. Et l'autre côté, 30 minutes. Ça va s'arrêter là des débats et on tourne la page. Pourquoi? Pourquoi? Cordon ombilical. Motolo wana. Singa motolo bakatate. Qu'ils partent en Europe et dans laquelle apoto. Trouvez-les tous, ils sont dans les alimentations, dans les, comment on appelle ça? Fret, import et sport, c'est tout ce qu'on connaît, transfert d'argent et des restaurants. Restaurant minable là. Mais bah, restaurant Mickey Mickey à Sewana. Dès qu'il te voit, commence à sortir la tête. On se sert même de noirs. Comme fonds de commerce à les campagnes électorales. Les noirs doivent rentrer chez eux. Noirs doivent rentrer chez eux. Ça devient un thème de campagne. Cette histoire, frères et sœurs, Likambo Bandeko, tu dois la prendre au sérieux. Et c'est quoi? Je crois que l'ère est arrivée. Et tu es rentré dans un nouveau type de combat. Jusqu'à ce que le vainqueur sera toi. Amen. Et tu dois toucher de tes mains les signes visibles d'un homme ou d'une femme complètement libéré. Amen, si tu es là. Amen. Je ne suis pas raciste. Mon esprit n'est pas si petit pour être trop. Je suis dans la ligne de mes enseignements. Le cordon ombilical. Beaucoup ne l'ont pas encore coupé. Et personne n'est épargné. Hein. Même des pasteurs. Même surtout les pasteurs. Surtout les passeurs mangalophones. Ils sont tellement dans des liens. Ils vous donnent les airs d'être trop spirituels. Mais vous voyez, la vérité est têtue, elle est collée à la peau. Et quand ils ont l'endroit.
tu ne peux pas annoncer un Dieu avec qui tu n'as pas fait les expériences certaines réelles. Non. J'entends les uns commencer à crier aujourd'hui. Le Dieu de Simon Kimbangu. Il avait quel message? Parce que chaque messager a un message. Quel était son message pour l'église? Quelle est la révélation qu'il a reçue de Dieu? C'est quoi ces histoires-là? Tu crois que c'est ça qui va? Tu veux te caresser, tu veux te faire bonne conscience. Ça changera tes misères. Manassé a laissé un lourd héritage sur Gédéon. Manassé tika kali bula moko ya kilo ya mabeli kola Gédéon. Il n'était plus là, il est parti. Manassé zaka suta kende na yesi là. Il est parti dépourvu du droit de naissance. Kasi ata kwa kufaka balongola ke kibokonza boyaya. Et il a laissé ça. Mais Azui a tiki à sa lignée. Et Gédéon est venu retrouver ça. Gédéon est comme Manassé à Bokita. Et il a rappelé à l'Éternel. Mais ce qu'il disait n'était pas faux. Quand il parle, Dieu savait. Il savait qu'est-ce qui s'était passé. Quand Jacob a reçu Manassé et Ephraïm devant Joseph. Quand Gédéon parle, Dieu savait ce qui s'était passé. Il dit, moi, avec tout ça, tu me dis, c'est moi qui vais délivrer le peuple. Mais tu rigoles comment? Tu connais bien mon histoire. Tu parles comme si tu ne nous connaissais pas. Tu ne connais pas notre tribu et notre famille. Déjà, nous sommes déjà la plus petite spirituellement. Parce que la plus grande menace est Ephraïm. Et en plus de cela, nous sommes les plus petits communs multiples. Une tribu la plus petite. Nous sommes la famille la plus petite. Donc, nous avons fait la somme de toutes les misères de la famille. Et nous en sommes des dépositaires. Et c'est moi que tu vas demander d'aller délivrer. C'est quoi cette histoire là? Moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. J'ai été loin pour venir te croiser dans la vie. J'ai été loin pour qu'on se rencontre à ce chapitre 42. Pour que je te dise des choses et je te confie la mission. C'est la même que Dieu m'a confiée. Alléluia, alléluia. Je te vois pour que tu ailles délivrer une onction pour la bataille est très importante. Pourquoi? En tenant compte de notre niveau spirituel, avec toutes nos histoires spirituelles familiales, sans cette onction, personne n'évoluera. Avec toutes nos histoires là, les ramifications, les contours des tours, sans l'onction, oui, tu vas parler de la destruction des hôtels, mais on verra. Nous te verrons. Tu resteras au même niveau. Là, j'en train d'évoluer. Tu vas continuer à chuter, à culbuter, à chuter, à culbuter. Et tu vas douter même de ta foi. Si c'est pas aller te compromettre spirituellement, mais abandonner même la foi. Et c'est voulu par l'ennemi. Tu peux imaginer ton père, un grand sorcier, ta mère, héritière ou reine. Il se marie à Bali. Le produit, c'est toi. Sans concours, les mes frères, sans qu'on te nettoie pour cicatriser ton ombrage spirituel,
Dieu est toujours là. La Bible amène et dans la foi. Mais la vérité va te rattraper. Il y a Gédéon, Ézéchiel. Gédéon rappelle à Dieu. Gédéon a mis Nzambe. Moi, Ngayoyo. Notre famille, notre tribu, et moi là, Ngayoka. On n'est pas prédisposé. Biso to lingela matin. Quelqu'un jouant un rôle de leadership fort et conduire les autres. Non, c'est pas nous. Wana bisoté. Biso côté on a raté. C'est pas nous. Bisoté. Et pourtant, Nzokande. C'est vers toi que Dieu est venu. Ezé pa na onde Nzamba ye. C'est justement toi. Ezaka ayo penzande. Des gens comme ça. Batoloko la boye. Tous les tableaux noirs. Ma kamone zonongo na ka mabe mabe. Tu commences à te poser des questions. Obandi komito na mituna. Est-ce que ngayo vraiment na obalaka? Et comment tu ngisa molimo na yo? Comme je suis là. Ndenge pena na zawa. Je parle avec des garçons comme ça. Na solana bana mbali. Me dit papa, hey papa, j'ai besoin de cette onction. Nasa na pose pa kwa na openza. Quantième tentative aujourd'hui. Nini una mikite lelo. C'est ma cinquième tentative. Ezali mbala mitano na omeka kaka. Pour me marier. Pour na bala. Ça tourne toujours ridicule. Et beba kaka kana kusa maka soni. Je me suis arrêté un moment. Na telemina na mwa moke. Pour réfléchir, je regarde, Nathalie, je dis ça y est, on est dedans. Je suis dedans. Donc, c'est moi à qui Dieu destine une onction pour me battre. Je dois me battre. Maintenant, cette fois-ci, Maloyo, pas seul, je dois respecter des règles. Parce que dans cette bataille-là, tu ne crois pas que quand tu vas te battre, l'ennemi va fuir comme ça. S'il fuit, il va se réorganiser. Vous connaissez l'histoire de Balaam, non, et Balak. Israël plein de puissance. Colonne de feu. Nuit. Des choses surnaturelles terribles. Et malgré cela, Balak dit à Balaam, va me maudire ces gens. Je connais ton degré spirituel. Même si la personne se croit puissante, mais toi, dès que tu lâches les choses, tu lâches les sorts. Et au Simba. Et au Simba et Kak. Parce que y a dans le problème du sang, c'est un degré que tu ne peux jamais imaginer. Jamais. C'est pour cela que tu verras même de chez les nations. Quand il y a des guerres, ils vont interroger leur histoire. Qui était leur héros? Qu'est-ce qui faisait qu'ils tiennent tête aux ennemis? On vous dira non, c'est parce qu'ils invoquaient l'esprit de tel. Cet arbre là, ils allaient souvent devant cet arbre. Dès qu'ils sortaient de là, ils devenaient d'autres personnes invincibles. J'ai suivi l'histoire de l'Ukraine là. Un maire de l'Ukraine disait, dans notre histoire, même du temps de l'Union soviétique, même la première et la deuxième guerre mondiale, l'Ukraine ne s'est jamais agenouillée. Il dit, c'est pourquoi vous voyez tous les hommes ont décidé d'aller au front. Même les joueurs de tennis, même les anciens boxeurs. D'ailleurs, un joueur de tennis, un ancien joueur champion, a été tué au front. On a montré même ces images. Il a dit, je dois aller au front. À quoi bon de vivre dans la gloire alors qu'on nous massacre là-bas? Dans notre histoire, nous sommes un peuple qui ne cède jamais. Ils ont interrogé l'histoire. Certainement dans leur spiritualité, ils ont consulté les esprits démoniaques qui les ont rassurés. Vous ne vous agenouillerez jamais. Et nous,
Ebisope. Nous n'allons pas frapper aux portes. Tokobeta tene kuke. Des hôtels, des arbres. Ni habitumbe lo banzete. Ni aller dans des forêts équatoriales. Omo kena wasamba minene kuna. Non. Té jamais. Nous n'irons pas au bord des rivières. Tokenete pena bibale. Nous avons fait une démarche jusqu'à la Sainte Montagne. C'est là que nous sommes venus pour recevoir quelque chose. Donc nous croyons que la chose va résoudre les problèmes de la Sainte. Selon Dieu. Amen. Quand tu sortais, quand tu grandissais, tout le monde qui vous connaît, regarde, ceux qui ont commencé avant lui, et dès que ça arrive, tu es bien ça bien. Et ça quand ngé nani mususu wana. Batangi koma mutu. Ngé mususu wana bana. Batangi tangi bakombo. Et le verset 4 de dire, nzamine lo biboye. Verset 5. Amitano. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Alléluia. Nul n'a eu pitié de toi. Même la prétendue pitié, c'était de la pure flatterie. Ils te disent des choses flatteuses pour te faire croire qu'ils sont de cœur avec toi. Après, Simanango, derrière ton dos, Azaka du bota bota, auto bota. Oui, comme il y a 4, il y a 5. Banata tata. Mais en ta présence, so, attends, yo, ah, en tout cas, merci. Nzamba pesi. Nzamba pesi. Tout ça abonne. Nul n'a pitié de toi. Seul. Kaka. Une personne. Kaka motomoko. L'ange de l'Éternel. Moi je n'ai Yahweh. Seul. Yemoko. Un secret. Secret. Il te parle. Seul. Yemoko. Il te dit. Vaillant héros. Pendant que les saints te disent. Ndumba. Sula. Mouibi. Fenea. Mais lui te dit. Vaillant héros. Amen. Et je prie Amen. Le Saint-Esprit. Tu peux. Et tu pourras. Tu peux. Et tu pourras. Entends ma voix qui te parle. C'est possible. Les murs tombent. Les portes s'ouvrent. Les murs s'écroulent. Les maisons des prisons prennent feu. Et toi, tu sors. Amen. Que tu vas faire. Il y a des signes. J'ai des signes sur toi. Quand je te regarde, je vois des signes de Dieu sur toi. Le feu que Dieu a mis dans la case, là où tu pleurais. Le feu a commencé. Sortir. Tu seras cette soi-disant mère qui t'a transformé son mari de nuit, ce soi-disant père, oncle qui t'a transformé sa femme de nuit, ses frères et soeurs que tu vois debout en short bleu. Parfois il te dit des choses, tu ne comprends pas le message. Il peut même dire à ta femme, ça c'est ta belle-mère qui te dit ça. Je veux vous conduire à mon belle-mère, chérie.
Aujourd'hui même, les gens qui sont envoûtés comme ça, ils croient que c'est facile de devenir pasteur. Comme j'ai essayé partout. Alors qu'il n'est même pas né de nouveau. Même les jeunes gens qui nettoient les rues ici. Juste une pasteur. Le lendemain matin. Prophète, à quoi maman Moussa Kone devenir pasteur? Est-ce qu'il était dans mon chrétien? Même là, si tu t'improvisais, ça ne changera rien. Tu commences un ministère, tu vas échouer, tu vas sécher. Parce qu'il est écrit sécheresse. Tout le monde, pour toi, ça va te suivre même dans les ministères. Pour toi, dans les affaires, pour toi, dans les études, ainsi de suite. Ne soyons pas gênés de savoir si le monsieur là est né de nouveau. Souligne-moi ces deux mots. On faisait l'évangélisation dehors. Il y a des religieuses qui passaient. Verset 3. La deuxième moitié du verset 3. Par ton origine et ta naissance. Verset 4. À ta naissance. Je le souligne. Ça t'intéresse? Deux. Es-tu né de nouveau? Dans l'œuvre de Dieu et dans tout ce que je fais, Dieu m'a appris que je me rassure des spiritualités des personnes qui m'entourent. Et toi aussi, rassure-toi de la spiritualité des personnes qui t'entourent. Même dans le monde satanique, si un ministre est dans le monde satanique, il veut se rassurer que même son dircable est dans la même obédience que lui, même son chauffeur il est dans la même obédience que lui, je parle plus loin, même sa femme, vrai. Et vous croyez que c'est chez nous, mais à Wenze. Quelqu'un peut s'approcher de toi parce qu'il te dit de belles phrases. Bibliques. Tu crois qu'il est de la même spiritualité que toi. Tu verras ce qui te fera plus tard. Parce que c'est une réalité. J'ai appris à revoir de fond en comble de choses. Parce que dans l'homme, c'est d'abord l'esprit. Amen. Je parlais plus là, c'est d'abord le spirituel. Le reste est retenu. N'oublie pas. Nous prions parce qu'il peut dégager les énergies. Parce que le sang maudit de la lignée fait vibrer les ondes. Ça dégage les ondes. Alors tu verras le résultat. Quand tu verras une personne qui t'approche, depuis que vous commencez à vous côtoyer, tu sens que tu commences à perdre certaines valeurs, perdre certaines qualités.
Vous ne tenez pas compte de ça. Et tu verras certaines personnes, depuis qu'elles te côtoient, tu ne fais que jouer dans toutes les démarches, dans toutes les affaires. Mais tu n'es pas là pour te poser des questions. Comment expliquer que c'est depuis telle période? Oui, avant lui, c'était comme ça. Mais depuis qu'il me côtoie, donne l'exemple. Dans le domaine sacerdotal et optionnel, depuis que tu es près de l'apôtre le Paul, tu ne vois pas que tu as été développé. Parce que je dégage une énergie positive qui t'influence positivement. Amen. Tu commences à croire à la réussite alors que tu ne croirais que négatif. Tu étais trop pessimiste avant. Il y a des êtres sur terre. Dieu a lâché les ADN en eux. Il ne voit jamais les choses en négatif. Et quand tu l'approches, tu verras dans sa confession de foi, dans l'avenir, dans ce qu'il croit, tu l'entendras dans ses confessions, dans ce qu'il dit. Et si tu l'écoutes, il te pique le sérum de la foi. Et tu commences à croire aussi que ça va marcher. Et ça marche. Amen. Sinon, vous ne serez pas là. La destruction des hôtels est devenue le plus grand événement évangélique qui s'organise dans le pays. Le monde entier en parle. Si l'énergie qui est libérée était négative, vous n'allez pas être comme ça dans la rue. Lève tes deux mains dans la rue, acclame le Seigneur. Tu l'acclames très fort. Et quand le contraire est aussi vrai. Il y a des personnes, quand tu commences à le côtoyer, quand il commence à t'approcher, observe bien. À partir de cette période-là, qu'est-ce que tu es en train de devenir? S'il apprend, tu dis quelque chose que tu feras, ça entre dans tes oreilles. Rien ne marche. Le fait seulement que vous approchez, parfois elle-même ne sait pas, elle dégage une mauvaise énergie. Mais c'est à toi d'observer les choses. Il faut voir ça. Que tu sois de la race de vipères, c'est-à-dire tu fais ça. Regarde sous le chemin d'Emmaüs. Qu'est-ce que les deux disciples ont dit? Quand Christ a disparu, nous soupçonnons nos cœurs. Mais battait-il pas quand il nous parle? Toutes les actes, ça peut battre dans le mauvais sens comme dans le bon. Tu dois ressentir tes pulsions cardiaques, tes sensibilités à côté d'une personne qui n'est pas une bonne personne. Son sang est mauvais. Du diable. Pasteur, vous m'entendez? La première structure. Les filles, vous m'entendez? L'une d'entre vous a témoigné ici. Une amie étudiante. Une grande luciférienne. Elle a manqué au cours parce qu'elle était malade. Elle est allée voir son amie à la maison. Est-ce que je peux me rattraper un peu? Regarde dans ma bibliothèque là. Tu es là. Pendant qu'elle était accroupie, en train de chercher, son ami lui dit, tu sais que tu es très intelligent. On y va. Tu es même plus intelligent que moi. Quelqu'un comme toi, tu ne devais pas être comme ça.
Alors son ami était concentré dans les livres. Dit, je peux te rendre service. Mais tout dépend de toi. Il s'est retourné là. Le papier, nous. Comment? Il dit même tout de suite si tu le veux. À cause de leur amitié, il lui a fait confiance. Il dit tu peux laisser un peu les livres, viens. Ceux qui croient. Et puis du coup, Malamoko. Il y avait des pièces comme dans un hôpital. Des pièces de bureau. Elle a ramené dans l'une des pièces. Dès qu'elle arrive là, elle a vu que son ami a changé de visage. Elle est devenue un monstre. Elle a poussé auprès de monstres qui l'attendaient. Autorité. Quand la sœur a crié, quoi? Le Dieu de mon père, je viens faire quoi ici? Il dit arrête, passe ici. L'appel d'auteur dit voilà, je l'ai. On la jette à gauche, on la jette à droite, torturée comme jamais. Elle ne criait que ça. Le Dieu de mon père, le Dieu de mon père. Et là, au fin fond de la mer, elle verra une lumière qui traverse la mer. L'ange de l'Éternel lui apparaît. Et la bagarre commence avec le monstre. En sa présence. Hey! Et c'est son ami qui s'est transformé en monstre. Il est venu prêter main forte à ce monstre-là. Contre l'ange de l'Éternel. Pam, 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 pam. Bitumba, bitumba. Réponds-moi par un amen. Le vrai combat spirituel. Bitumba sur la molimo. Et l'ange parvient à les maîtriser. Et puis il a ouvert la porte. A fungo les cookies. Et dit à la sœur, sors, pars. Et les invisibles. Va à mon église. Va dans mon église. Moi j'ai besoin. La sœur sort. Elle se retrouve ici. Saint-Raphaël. À la rébus. 14h. Na moi. Alors qu'elle était allée voir son ami un samedi après-midi. Elle s'est retrouvée lundi à 14h ici. À la rébus. Na Saint-Raph. Tu peux t'imaginer. Non, 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 non. On l'a amené au bureau. Il bureau, l'église. Une histoire comme dans un film d'horreur. Il dit papa, j'ai vu des musiciens là-bas. Même certains musiciens sont des chrétiens. Chacun est dans son bureau. Les autres sont des recruteurs pour Lucifer. Ils viennent recruter et amener là-bas. Il dit j'ai vu l'un d'eux. J'ai dit hé. Toi aussi tu es comme ça. Il dit kamanga na yo. Il a frappé. Et ce jour-là, son frère l'amène à mon bureau. Dès qu'ils entrent, on ouvre la porte. Elle refuse d'entrer. J'ai dit, ma fille, entre. Mais ne parlez pas. Et puis elle a soufflé à son frère à l'oreille. Apôtre aussi a des lions. Papa pas dans la lion. Je vois des lions. L'un à gauche, l'autre à droite. Moi je ne voyais rien. Donc il dit j'ai peur. Je vois des lions. Papa. Il y a ici plus que le lion. Amen. Tu peux avoir la
ta sensibilité spirituelle pour comprendre l'énergie qui se dégage. Si elle est diabolique, ne fais même plus deux jours avec la personne. Quelle que soit son intelligence, quel que soit son argent, ne fais plus deux jours, ne fais plus 24 heures. Elle va t'absorber et te vider. Père aussi, les saillons. L'homme, c'est l'esprit. En toi, c'est ton esprit. Je vais te montrer demain comment l'esprit combat. Le jour et la nuit. Amen. 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 Yes. Tu apprendras des choses, j'en suis sûr, des expériences que tu n'as jamais faites avant. Tu peux te lever un moment. Partout. Et si Kanyo Sozali Koko Telema, tu entends ma voix debout. Porte toujours en lui le groupe sanguin, soit de père ou de mère. Et le groupe sanguin que nous portons, puisque la vie de l'âme est dans le sang, tu es le produit de mixage spirituel. La spiritualité de maman et celle de papa ont produit ton espèce. Et c'est pourquoi tu draines le poids de toutes ces réalités. Alors que tu aimes Dieu, tu t'efforces de le plaire, mais tu t'en sors très difficilement. Combien d'entre vous ici, une fois que tu as trouvé un très bon emploi, soit c'est ton patron qui mène, ou c'est l'entreprise qui est fermée, ou ton patron entre dans une difficulté impossible, de temps en temps, tu connais des va et des viens, ou des hauts et des bas. Tu n'as jamais connu une stabilité professionnelle. Montre-moi la main. L'onction te voit. L'onction te voit. Et pas quoi, mon aïe. L'onction te voit. Et pas quoi, mon aïe. À l'heure où je parle, alléluia. Certains d'entre vous, vous serez embauchés. Et les autres, ton patron qui a connu des problèmes avec ses chefs sera réhabilité. Et il va te récupérer. Si alléluia, alléluia. Quand la chose arrivera, viens le dire devant l'église. Amen. Merci. Elle arrivera très bientôt. Observe ce mois d'avril. Observe le mois de mai. Regarde très très bien les choses attentivement. Ne sois pas distrait pendant cette période. Ne néglige aucun détail. Aucun détail. Le Seigneur est présent en ce lieu. Amen. 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 Alléluia. 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 Gédéon rappelait à Dieu les choses que Dieu connaissait. Seigneur, tu sais, je suis de la tribu de Manassé. C'est Ephraïm qui avait pris le droit de naissance. Ephraïm n'a pas beaucoup de boyaya.
comme Jacob l'avait prise à Esaou. Le coup de Jacob, toi qui prépare Esaou. Et l'héritage spirituel me suit jusqu'aujourd'hui. Dans notre lignée, les Manassés, on nous a privé le droit de naissance. Et je vis ces choses. Il y a beaucoup de privations à cause de notre statut. Yes. Yes. Personne ne sera prophète, ni diplômé, ni haut cadre, ni haut fonctionnaire, ni une grande femme d'affaires, ni un grand avocat, ni un médecin de brillance, une grande influence. Tout est petit. Parce que nous sommes des Manassés. On nous a tout privé. En commençant par le droit de naissance. On nous a privé le leadership. Et comment tu peux me confier une mission de leadership pour délivrer Israël? Non, Seigneur. Tu connais bien notre situation. Et c'est ce que tu ne cesses de dire à Dieu. Et ce soir, il dit. Et ce soir, il te dit. C'est justement à cause de tes situations, à cause de ton positionnement actuel, que je viens. Je suis venu chercher quelqu'un comme toi. Petit, mon qui est la queue, mon toi sima, mais pour que tu passes devant, pour les calibosso, que tu diriges, mais yo kama, tu conduises les autres, tambou sabasusu, tu montres les chemins, mon tali sanzela, que tu ouvres la voie, yo fumo lanzela. Tu as toujours ressenti des choses dans ton cœur depuis ton enfance. Tu as toujours rêvé une grandeur. C'est ça le territoire spirituel que Dieu t'avait donné. Mais on t'avait arraché. On a substitué par autre chose. Il faut la remise en prise. Tu as besoin d'une onction pour combattre et résister aux représailles. Amen. Jésus est vainqueur. Amen. Lève tes mains. Tombe la boko likolo. Plus haut. Concentre-toi. Kangami so mikota. Tombe la boko likolo. O tombe li maboko likolo. O kangami so pe o mikota ici. Était 50-50. 50% d'une tribu, 50% d'une autre. Papa Mumbunda, Tata Mumbunda, Maman Moussakata. Maman Moussakata. Dis à Dieu, Loba Nanzambe, ta parole m'a mise à nu. Malobano bimisinga na poissa. Je suis ici. Nazaliawa. Je ne savais pas que mon cordon ombilical est resté attaché au village. À l'heure où je te parle, il y a même mes frères qui sont en Europe. Ils croient être trop éloignés. Mais le cordon ombilical spirituel leur est resté solidement attaché. Ils vivent les mêmes déboires que nous qui sommes restés au pays. Les aimer même pour avoir des documents, avoir des papiers, il droit du noir. Je connais mes sœurs qui sont au Brésil, Brésil, à Londres, au Canada. À Londres, au Canada. Ils vivent les mêmes histoires. Parfois, quand ils m'appellent au téléphone, ils me racontent les choses qu'ils vivent, même dans leurs songes. J'ai de la chair de poule. C'est les mêmes histoires que nous vivons ici.
Ta parole est certaine et véritable. Commence à parler à Dieu. Plains-toi devant Dieu. Répands ton cœur. Ouvre ton cœur. Comme si tu voyais Dieu physiquement devant toi. Par rapport à la révélation, la lumière que Dieu a apportée. Parle de ton cas, de ta situation familiale. Quand ton frère, en qui tu comptes beaucoup, quand il commence à te raconter ses histoires, parfois tu ne réagis pas, mais tu pleures. Tu vois que c'est le même scénario, mais chacun en ce qui le concerne. C'est sur qui tu comptais hier, il y a des années. Tous sont par terre. Par terre. Méconnaissables. Ils ont tout perdu. Alors qu'hier, c'était l'espoir de tout le monde. Yo Seigneur, qui suis-je? Pour rencontrer un ange qui me révèle des choses. Ouh, je sens sa présence. Ouh, je le sens. J'ai tout perdu. Nakuma yaya ya zoba, tata ya zoba. Quand je tourne le dos, ya zaka bo koloba koloba ti kolem sabat. Elo kama longa zaka nangu zate. Seront chassés les maris de leur maison. Elles sont restées seules. Tes frères ne restent jamais mariés avec une seule femme. C'est la même chose. La même chose. La même chose. Dieu, comme je suis là, malgré les apparences, situation exacte à Malonga, salaté, ndakouté, vie conjugale à Malonga Zagate, un déséquilibre total. Tu parles à Dieu de tout ton cœur. Je ne crois pas que tu auras une prochaine occasion comme celle-là. Tous les prophètes et les rois de la Bible, devant de telles situations, ont déchiré leurs vêtements pour parler avec le déchirement de cœur devant Elohim. Et ils étaient exaucés. Alléluia. Si le tout dépend de Dieu que m'a appris, si ma vie, ma délivrance dépend de Dieu qu'on m'a présenté, moi, on m'a révélé qui tu es. C'est pourquoi je te parle maintenant.
tous les 50-50. Sangisa, sangisa, tata na mama. Comme Gédéon et Ézéchiel. Loko la Gédéon et Ézéchiel. 50-50. Tate kolomosusu, mame kolomosusu. Avance ici. Poussana liboso. Tata non ze kolomosusu, mama peze kolomosusu. Poussana. Qui que tu sois. Et salosanani. Et tu es un aîné. Ozali, yaya, mwana yambo. De posséder du droit de naissance. Tu sens que c'est un cadet ou le troisième de la famille qui a pris le droit de naissance. Avance. Avance. Il dit baba botolo bokonza boyaya ozano yaya kasi ya maloba kaka nzoka leki na omoko boende ye akoma mukambia libota didi a tes frères papa tike la kingane liloba ça ce sont les paroles de tous ceux qui ont perdu leur roi de naissance wana ya maloba batonso abungusa bokonza boyaya Tu es sorti d'une famille très pauvre. Comme Gédéon. Et votre famille, le nom de ton père ne veut rien dire. Perdu quelque part. Mon père n'était pas un grand monsieur. Mais Dieu a fait de l'apôtre le Paul un grand homme. Amen. Et Dieu peut faire de toi un grand homme, une grande dame. Quand les gens vont chercher dans ta généalogie, ils verront que tu n'as hérité de personne. Seulement de la source intarissable. D'Adonai. Tu es devant l'ange de l'Éternel. Certains parmi nous ici, de ta jeunesse, tu étais complètement oublié. On préférait les autres enfants que toi. Le Dieu que je sers, que je te présente en ce lieu, fera que tu deviennes la tour de contrôle. Rien ne pourra se faire sans tes conseils. Celui qui t'écoutera pas échouera. Tu lèves hautement les mains. Demande seulement à Dieu avec un cœur déchirant. Seigneur, tu veux que je subisse le même sort que mes tantes. Mes nièces. Baba la katenga pena za lokwa bango. Mes oncles, mes tontons, mes neveux. Trois pas en avant, 15 pas en arrière. À un moment, vous voyez que ça marche. Et puis après, patatras. C'est comme si on a tout récupéré. J'ai vu ça chez mes soeurs. Et je l'ai vu chez mes frères. Et je continue à le voir. Veux-tu me faire subir la même chose? Parle juste ça. Jesus.
concentre-toi. Souviens-toi que tu parles à un Dieu qui existe. Qui n'est pas sourd. Ni aveugle. Il a dit, voici, je serai avec vous. Jusqu'à la fin de temps. Il est là ce soir à tes côtés. Sanga ke balinga kanga la famille na moni kote bolinga ngwe kenda na ngate na mona ke loko bolinga ngwe botela ngate bazoko sanga ke balinga mingi mesoki bolingo ngo ezande andengo yo segezo boma makambu na sima eza lokuta eza bazo sekanga na butu bazo sekanga na moyi la journée il me flatte. Je n'en veux plus. Tata mon malokolangai. Même si je ne le dis pas à mes enfants, les enfants ont grandi. Ils se posent des questions sur moi, leur papa. Ils se posent des questions sur mes sécheresses, mes instabilités. Quelle réponse je peux leur donner? Jésus! Vers moi ici devant. Dis de tout cœur, Seigneur Jésus, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Aïdina Bala, de mon père Léopold, Dieu des alliances. Si l'homme que j'ai rencontré est mon ange, si l'homme qui est devant moi est ton ange, tu as envoyé pour ma vie, pour me rencontrer, les choses ne doivent plus être les mêmes. Je suis fatigué. J'en ai marre de souffrir comme mes frères biologiques à cause des hôtels. Je suis Gédéon. Mon passé spirituel est lourd. Le passé de mes parents est très lourd. Je suis 50-50. Que cela s'arrête maintenant même. Maintenant même. Ton ange m'a oint pour combattre et vaincre. Je maudis, je détruis. Je maudis, je détruis. Je maudis, je détruis. Je maudis, je détruis. Tous les hôtels de la lignée. Hey!
si tu constitues par toi-même un hôtel, que le feu descende sur toi, que l'hôtel que tu es soit écrasé, détruit, écrasé, détruit, écrasé, détruit, écrasé, détruit, écrasé, détruit, écrasé, détruit. Si tu as ta bouteille d'huile là sur place, tu la prends. Soulève-la dans ma direction, partout où tu es. Si tu ne me vois pas, tu entends la voix qui sort de Baf. Tu vas faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Tu diriges hautement et tu es sûr que c'est dans ma direction. Je ne suis qu'un point de contact entre le spirituel et toi, entre le divin et toi. Tu fermes les yeux. Il y a l'ombre et la réalité. Par la foi, frotte ta bouteille sur mon dos. Maintenant, tu peux l'ouvrir. Tu mets 4 gouttes dans ta main gauche et 4 dans ta main droite. Tu refermes. Tu commences à frotter doucement les deux mains. Les yeux sont fermés. Tu te souviendras de cette bataille. Tu maintenant, pose sur ton nombril. Sur ton nombril. Afin de couper les cordons ombilicales spirituels qui te lient. Je le coupe. Je le coupe. Partout.
partout, tout lien attaché à toi jusqu'aux hôtels, que ce soit au village, que ce soit sous la ville, que ce soit au cimetière, tout cordon ombilical, je le coupe, coupe, Sira koro sanga badi koro sana bakata. Hallelujah. Quelque chose se passe. Concentre-toi. Quelque chose se passe. Concentre-toi. Mikota. Kanga miso mikoti sandeko. Miséricordieux Père Céleste, Tata Alo Lanzamba Mawa, Yehovah Shama, Yon Sambe Shama, Yehovah Shemaot, Yozali Shemaot, tu as coupé mon cordon, Okati Motolongalanga, coupe celui de ses enfants. Tu as coupé mon cordon ombilical. Kata singananga motolo. Coupe aussi chacun. Kata pe motolo motoawa. Au nom puissant de Jésus. Na koma na mbuya na Yesu. Que les tiens soient coupés. Oya yo kata. Coupé. Ekata. 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 Chaque manatson. Solo. Il te relâche. Azokanti gayo. Oui. Ya solo. Le contrôle spirituel. Bokamino zamolimo. Te relâche. Azoti gayo. Oui. Ya solo. La surveillance spirituelle. Bokengalo namolimo. Te relâche. Azoti gayo. Oui. Ya solo. Le contrôle à distance. Bokamono mosika. Te relâche. Etikio. Personne n'a l'autorité dès à présent de te contrôler, même à distance, de te surveiller. Personne. Dans la marmite, où se trouvent écrits tous les noms des enfants. Dans la casserole. Dans les trous de la terre. Je sors ton nom dedans. Je sors ton esprit dedans. Je sors ton âme. Au nom puissant de Jésus. Reçois l'onction. Et le lien matriarcal, je le détruis au nom puissant de Jésus. Le pouvoir des oncles dans le système matriarcal et le pouvoir spirituel des pères, des dominations, d'étouffement, des blocages dans le système patriarcal, je le détruis au nom puissant de Jésus. Toutes les histoires passées spirituelles lourdes, je les ramale, je les renvoie dans les lieux arides. Sois libre. Amen. Pardon.
endroit d'onction. L'ange te dit, voici ton chemin. Prends ton chemin à toi. Prends ton propre chemin. Ne suis plus le chemin des autres. Prends ton chemin. Tu peux lever tes mains sur ton nombril. Et tu acclames le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Beta maboko pe milolo pona kolo. J'asperge le sang de Christ sur ta vie. Te protège contre toutes sortes de représailles. D'où qu'elles viennent, de tous les deux côtés, ne te toucheront plus jamais. Jamais. Amen. Prends ta place, assieds-toi.
promise, chose due, bien aimé dans le Seigneur, vous êtes toujours là en train de suivre la retransmission de ce grand culte, le premier de cette dernière semaine de la grande campagne de destruction des hôtels, chapitre 42. Alors, vous avez des réactions, vous avez des impressions, vous avez des avis, vous avez même de témoignages. Prière de nous le faire parvenir au travers de nos différentes coordonnées qui sont affichées au bas de votre poste téléviseur. Vous avez aussi vos libéralités, vos offrandes, vos dîmes, vos souscriptions à la construction de ces grands temples que l'homme des dieux, le révérend apôtre Léopold Mutombo Kalombo, est en train de construire au cœur de l'Afrique. Prière de nous le faire parvenir au travers de nos différentes coordonnées bancaires qui s'affichent aussi sur vos écrans, et l'éternel Dieu n'y manquera pas de vous bénir. Alors, j'ai cet immense plaisir de recevoir pour vous sur ce beau plateau l'un des participants de ces cultes. Certainement, pour plusieurs personnes, vous avez l'habitude de le suivre dans différentes émissions sur nos antennes d'Amen Télévision. Mais ce soir, il intervient en la qualité d'un invité de ce grand culte. Tout à fait. À qui nous disons bonjour, et à frère Chaï. Ah, shalom, ma bien-aimée sœur Judith Mbombo. Shalom également à tout le monde qui a l'occasion de nous suivre en ce net moment sur les antennes du groupe Amen Télévision. Nous allons très très bien par la grâce du Seigneur, surtout après ce que nous venons de vivre comme culte en ces premiers jours de la dernière semaine au ministère Amen. On peut qu'aller mieux par rapport aux informations, par rapport à l'impactation et surtout par rapport au service que nous venons de recevoir de la part de l'homme de Dieu. Pour certains, comme je le disais, ils ont souvent l'habitude de vous suivre, nous vous connaissons, mais il y a peut-être une personne qui c'est pour elle la toute première fois de pouvoir vous suivre, et il aimera savoir qui est le frère Chaï. Ouais, en me présentant, je commence toujours par dire sauvé pour servir. Amen. Donc, je suis le frère d'Adou Mukengeshaï Katenda, mais j'aime bien qu'on m'appelle Fresh, Ya Fresh Chaï, voilà, pour faire un peu spécial, un peu original. Je suis présentateur des émissions sur Amen Télévision. Je remplace souvent Judith Mbombo quand elle ne peut pas présenter Animate. J'anime la rubrique sport dans Animate, Avis et Réaction. Voilà, donc on est un peu là à tout faire pour le compte de l'onction, et je suis également protocole VIP pour l'onction de notre père l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Et ça fait combien d'années que vous êtes au pied de ce grand homme des dieux? De 2015 à 2022, ça fait 7 ans. Ça va faire Je pense ans. Qu'au mois d'août, ça va faire exactement 7 ans que nous sommes sous les pieds de l'homme de Dieu, l'apôtre LMK. L'homme des dieux que vous avez souvent l'habitude de suivre dans différentes éditions de cette grande dispensation des destructions des hôtels est celui que vous découvrez dans ces 42e chapitre. Comment il se révèle à vous? Waouh! On peut dire que les destructions se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est toujours la même onction mais qui opère de manière différente, d'abord en termes d'information. Que l'homme de Dieu aime appeler leçon ou chapitre, en termes de service, en termes de la manière dont l'homme de Dieu opère pour chaque culte de chaque leçon. Je ne sais pas si on se comprend. Bien sûr. Nous sommes au chapitre 42. Le premier culte n'est pas équivalent au deuxième culte. La manière dont il aborde. Et aujourd'hui, c'est cette façon de définir point un relève particulier, parce que je vois la manière dont l'homme de Dieu a introduit le culte. Il ne l'a jamais fait tout au long de ce chapitre. Ah, dites-nous un peu, il en avait introduit comment? Vous savez, le culte commence généralement, comme on a l'habitude de le dire, lors de la modération. On est venu de la maison, on était concentré. Le pasteur Didier Maemba nous a conduit dans des forts moments d'adoration, de louange, avant que l'homme de Dieu ne puisse faire son entrée. Et quand l'homme de Dieu a fait son entrée, vous savez, nous avons un modérateur qui sait comment introduire l'homme de Dieu. Hein? Et lorsque lui introduit l'homme de Dieu, on s'attendait à ce que l'homme de Dieu commence directement à nous enseigner par la méthodologie qui est la sienne. Mais cette fois-là, nous avons vu l'homme de Dieu commencer à nous présenter le Seigneur. Le modérateur nous a présenté l'homme de Dieu. Il nous a parlé de l'homme. Mais l'homme a parlé du Seigneur. L'homme a parlé de son maître.
voyez, c'est pas si on comprend un peu cette différence. Donc, il a commencé à élever le Seigneur. Il nous l'a présenté comme jamais d'ailleurs fait. Hein, c'est comme si quelqu'un avait la carte d'identité de Jésus-Christ, que Jésus-Christ lui avait remis et que voilà, il vous le présente comme ça. Voilà, lui, c'est Jésus-Christ, il s'appelle Jésus. Son rôle dans votre vie est tel. La manière dont il va agir, la manière dont il a toujours agi. Donc, il nous a décliné l'identité du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, quand vous allez à une fête, par exemple, pour nous qui sommes des modérateurs, lorsque vous présentez le couple, ça dépendra de la manière dont vous allez élever, n'est-ce pas, l'homme ou la femme. Hein, cela amène, emballe tout le monde à se joindre à la fête. C'est la manière, au fait, c'est la même chose que l'homme de Dieu a fait, mais avec une touche onctionnelle comme jamais vue. Avec une touche onctionnelle comme jamais vue. Mais après cela, l'homme de Dieu directement est entré dans les vifs du sujet. Il a commencé, il nous a enseigné, il a enseigné tout le peuple. Il y a même de ceux-là qui l'ont aussi suivi. Mm-hmm. Alors vous, personnellement, qu'avez-vous eu à bénéficier en termes d'enseignement? Et aussi, justement, après cela, il nous a aussi conduit dans un fort moment de service, d'impactation. C'est aussi ça la particularité de cette dispensation de la Décision des Autels. Et c'est aussi là la particularité de l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalomo, les enseignements. Les mêmes livres de la Bible qu'on a l'habitude d'ouvrir, hein, depuis qu'on était enfant, depuis qu'on a donné notre vie au Seigneur. Mais lui, quand il les ouvre, il nous amène des informations tellement pertinentes. De révélations. Des révélations, voilà, qui ne peuvent que vous conduire à aimer le plus, de beaucoup plus le Seigneur. Lors de cette campagne, il a parlé, bien sûr, de cette onction dont nous avons besoin pour les batailles. Amen. N'est-ce pas? Et là, lors de la deuxième semaine, il nous a parlé sur le combat contre les racines. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire, mais aujourd'hui, il nous amène dans les eaux profondes en nous parlant pratiquement de nos origines qui peuvent également construire des autels. Vous voyez, cette mixture hein, de sang que nous portons en nous. Nous avons l'habitude de dire que voilà, je suis Congolais, je suis Louba, mais lorsqu'on interroge l'histoire, on sait voir que mon père portait le sang, pour ma part en tout cas, j'ai compris que mon père qui portait le sang à 50% des Louba, 50% du Bandundu, ma mère, elle portait 100% le sang des Louba. Mais quand on va encore interroger dans les Louba, là on va voir qu'il y a des ethnies différentes et ces ethnies-là ont des autels. Et moi je suis le produit ou le fruit de cette mixture-là. Vous voyez, donc en moi, je représentais plusieurs autels qui se sont incarnés à moi. Et quand on interroge la manière de vivre, notre manière de vivre, on sait voir que nos nombrils n'ont pas été coupés de manière spirituelle. Vous voyez, je vais donner un exemple. Moi, je n'ai jamais vu mon père. Hein? J'ai compris des choses par rapport aux enseignements de l'homme de Dieu aujourd'hui. Je n'ai jamais vécu avec mon père. Vous voyez, je n'ai pas une histoire avec lui. Mais quand vous allez voir ses frères, ils vous disent « Ah, Oza Kitoko Lukwa, Papa Nabino, à l'époque, bien sûr. Ah, Olingabasi Ming, Kaka Nengya Bande Olingabasi. » Là, c'est ce qu'on vous disait. Là, c'est ce qu'on me disait complètement comme ça. Mm-hmm. Or, c'était des hôtels parce qu'un homme n'est pas obligé d'avoir une vie sexuelle en désordre, vous voyez. Et alors, de ces cultes, vous sortez d'une manière brève parce que… Et là, je comprends que l'homme de Dieu, maintenant, par la puissance de l'onction, a coupé ces nombreux-là qui nous liaient aux hôtels démoniaques de nos parents. Wow. Alors, un mot à tous ceux-là qui nous suivent en ce moment par rapport à ces cultes. Qu'est-ce Pourquoi, que vous pouvez leur dire? Si vous n'avez pas eu l'occasion de participer au culte d'aujourd'hui, demain, jeudi, nous avons culte au ministère. Amen. Je ne vois pas pourquoi est-ce que vous manquerez au culte de demain parce que l'homme de Dieu a dit que ce sera un culte réservé uniquement au service. Aujourd'hui, nous avons bénéficié d'un service tellement puissant qui nous a séparés du nombril de nos aïeux, spirituellement bien sûr. Demain, on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais je sais qu'à la sortie de ce chapitre, nous serons totalement débarrassés des racines et des nombrils qui nous amenaient, n'est-ce pas, à la mort spirituelle. Waouh, merci beaucoup, Yafrère Chay, d'être intervenu. Merci beaucoup, je suis content que tu m'appelles Yafrère Chay jusque sur ce plateau. J'en suis vraiment heureux. Merci de m'avoir reçu en tant que participant au culte, bien sûr. Et quant à nous, aimables téléspectateurs, on se retrouve tout à l'heure pour conclure.
tout est bien qui finit bien. Aimables téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur de quatre coins du monde entier, vous nous avez suivis au cours de ces cultes. Et nous osons croire que ces cultes vous a énormément béni. Et nous vous remercions de nous avoir suivis. Et sur ce, nous vous fixons rendez-vous dans un prochain numéro. Alors, restez branchés sur toutes nos plateformes officielles, nos pages Facebook, Léopold Mutombo Ministries et Amen TV Sat, sans oublier la chaîne officielle de l'homme des dieux, Léopold Mutombo Ministries sur YouTube. Partagez ces informations que vous recevez, non, je dirais ces révélations que nous recevons au cours de cette grande dispensation des destructions des autels, et l'éternel Dieu ne manquera pas de nous bénir. Alors, shalom chez vous, que Dieu vous bénisse abondamment.